Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre série Terroir Gourmand, nous partons dans le pays d'Aubagne découvrir deux produits historiques de la région, la brousse du Rove et la capre. Nous rencontrerons deux producteurs de Cuges-les-Pins. Tout d'abord, Luc Falco, que nous suivrons dans les collines avec ses chèvres et qui nous dira tout sur la véritable brousse du Rove. Puis nous irons chez Yves Cornil, qui travaille un condiment dont la culture est devenue rare en France, la capre. Je vous laisse en compagnie de ceux qui font vivre et perdurer ces beaux produits et je vous retrouve juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. À quelques kilomètres de Marseille, à proximité de la mer, le pays d'Aubagne se situe en pleine Provence. Ce pays qui s'étend de l'étang de Berre jusqu'au bassin marseillais est principalement constitué de massifs et de plateaux rocailleux. Au climat chaud et sec, la garrigue s'étale majoritairement laissant place à quelques pins et chênes. Bordée au nord par les chaînes montagneuses de l'Estac et celle de l'Étoile, cette région doit sa notoriété à Marcel Pagnol, qui y vécut toute son enfance. Protégée et nichée dans une cuvette autour des massifs, Cuges-les-Pins est considérée comme la capitale de la capre. Sa culture fait la renommée de ce petit village au XIXe siècle. Mais lorsque la production de vin et de vinaigre chute sous le joug du phylloxéra à la fin du XIXe, elle disparaît progressivement. Aujourd'hui, quelques irréductibles comme Yves et Monique Cornille font perdurer l'exploitation artisanale de ce condiment très local, de sa récolte à sa mise en bocal. Le pays d'Aubagne possède bien d'autres atouts gastronomiques. À quelques kilomètres de là, Luc Falco élève des chèvres pour la confection de la fameuse brousse du Rove. Les brusso do Rove, c'est en langue provençale que les marchands proposaient autrefois ce fromage de chèvre dans les rues de Marseille. C'est aussi dans la cité phocéenne, sur le marché paysan du Cours Julien, que Luc se rend désormais pour vendre ce produit artisanal et on ne peut plus local. Nous sommes en plein centre-ville de Marseille, un quartier ancien, et c'est le plus ancien et le plus gros marché paysan de la région. Là, il n'y a que des producteurs locaux. L'avantage d'un marché producteur, c'est qu'il y a vraiment une toute autre ambiance. Comment vas-tu ? Bien, et toi ? Oui, ça va. Ça va, merci. Bonjour. Les visiteurs de ce marché viennent surtout en habitués. La clientèle est aussi très particulière. Hein. C'est des connaisseurs, des gens qui sont prêts à prendre du temps pour faire la queue, discuter entre eux, s'échanger des recettes. Il y a un aspect convivial aussi. 2,50 €, s'il vous plaît. On fabrique deux produits principalement, les fromages de chèvre et les fameuses et très réputées brousses du Rove. Les vieux Marseillais ils connaissent les brousses du Rove dès que tu parles. Avant, on le criait dans les rues, les femmes passaient dans les rues en criant les brousses du Rove. C'est du lait de chèvre broussé, égoutté et vendu dans des petits cônes. Et voilà, les fameuses brousses du Rove. C'est un petit goût fin, c'est un petit goût de chèvre, un petit goût de cabre. Avec un peu de sucre, un peu de confiture, un peu de crème, vous avez un dessert merveilleux. Il y a à peu près 50% de la production qui est vendue sur ce marché. Il y a des gens prudents qui les réservent semaine après semaine pour être sûr d'en avoir. C'est un produit qui est tellement réputé qu'il part très vite. Et voici de brousse. Et voilà, merci beaucoup. Bonne semaine. Du côté du village de Cuges, Yves, aidé de son épouse, s'apprête à récolter ses fameuses capres. C'est sa tante qui lui donne ses premiers arbres, bien que le caprier pousse naturellement à l'état sauvage sur le pourtour méditerranéen. La capre, c'est la fleur d'un caprier. C'est un bouton de fleur qui sert comme condiment, qu'on met dans le vinaigre et qui se mange, disons, à plusieurs plats. Ce sont des plants d'espinosa, c'est-à-dire
des tiges qui montent. Une feuille, un capre et une épine. Ça se répète tout le long de la tige. Quand on commence à cueillir la plante, elle a déjà 20 ou 30 cm. À partir de là, on a les premiers capres qui arrivent. On cueille les capres, on en cueille, disons, 3-4 par tige. Et quand il fait chaud, la tige s'allonge, bien sûr. Et là, il ressort des capres à tout moment. Ils sont des capres tout le long. Là, il n'y a pas de vent, en plus, c'est bien. Parce que là, ils ont nos humistrales. Alors là, c'est encore une autre histoire pour le ramasser. La culture de la capre exige en effet des conditions climatiques bien précises. La capre, il faut un climat méditerranéen, c'est-à-dire chaud. Et en plus de ça, la capre n'aime pas le mistral ou le froid. Ce qui fait quand il fait mistral, ça empêche de pousser, la tige ne pousse plus. Donc, il n'y a pas de capre. Mais dès qu'il refait soleil, il est chaud, ça redémarre. On récolte à la main, une après l'autre, tout en faisant attention de ne pas casser le bout de la tige. Autrement, c'est foutu, il n'y pousse plus, il n'y a plus de capres qui sortent. Mais pour récolter les capres, il faut avoir les deux mains libres. Et pour avoir les deux mains libres, nous avons ce genre de poche qu'on appelle, qu'on puisse mettre des capres dedans, qu'on appelle barjaquette. Alors en provençal, le barjaquet, ça veut dire parler. C'est que puis les gens, quand ils cueillent, pour passer le temps, ils se parlent entre eux, ils racontent des histoires du village ou de la vie. C'est bon ? On déménage de là. Récolter manuellement est ainsi l'unique méthode. À 82 ans, Yves continue principalement pour son plaisir. Ça devient très 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 cher à cueillir. Moi j'en ai fait pour, disons, ma consommation personnelle. Il y a des amis à qui ils viennent m'en prendre, m'en acheter. Mais j'en fais pas une grosse quantité. J'ai une vingtaine de capris et c'est tout. Tu me dis si tu vois que ça déborde, t'es encore un peu aplati. Je vais faire 1,3 kg, comme ça on se rappellera pour le poids. Sur les flancs montagneux, Luc se prépare pour la traite de ses chèvres issues d'une race typique de la région. Voilà la fameuse chèvre du Rove. Donc là, en l'occurrence, c'est une chèvre qui a un peu d'âge, puisqu'elle a une dizaine d'années là. C'est presque des chamois, hein, ces chèvres, hein. Ça escalade de partout. C'est la seule qui est capable de se nourrir en autonomie alimentaire sur nos collines méditerranéennes. Elle a 2600 ans de présence en Provence. Et 2600 ans, ben, c'est la création de Marseille. Maintenant, on va pouvoir les rentrer pour les traire. Allez! Ce matin, que je vais filtrer. Après cette première filtration, Magali doit faire chauffer le lait jusqu'à la température précise de 89 degrés. Il va falloir que j'attende que la température baisse d'une vingtaine de degrés. Ensuite seulement, je pourrai intégrer le vinaigre blanc et commencer à fabriquer la brousse. Voilà, elle est correcte. Pour maintenant, elle est suffisamment descendue pour mettre le vinaigre. Le vinaigre délicatement versé en fine pluie va permettre au lait de brousser. Là, l'étape me semble bonne pour récupérer la matière. Voilà. Dans ma passoire, je vais filtrer toute la matière qui a été broussée de façon vraiment à récupérer que la partie blanche, en fait, hein, qui va constituer la brousse. Voilà, nous sommes là sur un lait entier, très important. La brousse du Rove est réalisée avec du lait entier.
Magali reçoit la visite de Raoul Michel, représentant local du mouvement international Slow Food. Cet organisme, soucieux de défendre les produits de terroir, cherche ainsi à leur faire obtenir un label qualité. Et coucou Raoul. Salut Magali, ça va? Oui. Ça va. Alors, comment le son en ce moment? Elles ont moins de lait là, non? Je te souhaite un bon appétit, il y a moins de lait. Ça commence. Oui, c'est ça. On défend des produits qu'on appelle des produits sentinelles, qui sont des produits qui risquent de disparaître. Et on défend à la fois le produit, pour son goût, pour sa qualité. Il y a une devise de Slow Food qui est le bon, le propre et le juste. Alors le bon, c'est pourquoi les qualités organoleptiques. Le propre, défense de l'environnement, moins de pesticides, ou pas du tout, ce qui est encore mieux. Et le juste, c'est la juste rémunération des producteurs pour le métier qu'ils font. Est-ce qu'elle était à ton goût? Encore bon, hein. Elle est nature? Ouais. Tu l'accompagnes avec quoi, toi? Couvier de framboise, ça, c'est chez Mignon. Qu'atypique de la région, c'est la brousse du Rhône, qui est maintenant un produit sentinelle depuis 10 ans, pratiquement. On a aidé les producteurs à essayer d'avoir l'AOC, qui est quelque chose de très important pour éviter les contrefaçons. Parce qu'il y avait des gens qui s'engouffraient dans le terme brousse du Rhône, qui est connu à Marseille, qui faisait des produits qui n'étaient pas de bonne qualité, puisqu'ils allaient même jusqu'à prendre du lait de vache pour faire ça, alors que c'est absolument répréhensible. Et donc ça permettra, on l'espère, d'obtenir l'AOC. À bientôt. Salut. Allez. De retour à Cuges, Yves commence la préparation de ses capres. Je ramène les capres ici pour les faire reposer 24 heures pour qu'elles perdent l'eau pour pouvoir les mettre dans le vinaigre dans 24 heures. Je mets mon vinaigre pour que la capre qui a flétri absorbe le vinaigre pour donner le bon goût et ça fait un peu cuire la capre dans le vinaigre. Les capres, il faut qu'ils soient cuites, un peu comme les condiments. Pour faire macérer les capres, il faut au moins 3 à 4 mois, c'est-à-dire en principe nous les sortons disons à Noël pour pouvoir les vendre dans l'année suivante. 3 à 4 mois, on les met dans les bocaux et on remplace le vinaigre ancien par de nouveau. Une fois cette macération terminée, le condiment est prêt à être mis en bocal. Accompagné de son épouse, Yves réalise un testing gustatif entre ses capres traditionnelles et celles trouvées dans le commerce afin d'en relever les principales différences. Voilà. Le vinaigre, c'est du vinaigre d'alcool, il est plus fort. Elles sont plus salées. Après, aux textures, elles sont quand même assez fermes, je trouve. Ouais. Hein. Pour des capres du commerce, c'est vrai. On sent que, mais moi, je trouve que c'est le sel qui domine le plus. Salé. Même si Yves n'en met pas, l'ajout de sel avant macération dans le vinaigre ou l'alcool fait partie des méthodes courantes. Elles sont cueillies très petites en plus. Hein. Ouais. Elles sont cueillies vraiment. Goûte les autres, bien. C'est la maison. Pas le même goût. Là, on sent bien, là, on sent bien le vinaigre. Là, on sent que le vinaigre, c'est pas du tout le même. Et puis, il n'y a pas le goût du sel comme là. Mmh. Voilà. Puis la chair, c'est pas la même. Oui. Là, on sent mieux le vinaigre par rapport à celle-là. Donc, le sel, je crois qu'il couvre encore même cet genre de vinaigre un peu plus acide que celle-là. Eh oui, ça fait toute la différence parce qu'au vinaigre d'alcool, elles sont beaucoup plus fortes. Elles le ramollissent, je pense, plus vite. Parce que ça les brûle un peu, si vous voulez. Et que le vinaigre de vin, c'est plus doux, c'est plus naturel. Parce que quand ils disent vinaigre d'alcool, il y a un peu tout là-dedans qui se met. Et c'est pour ça qu'elle reste plus ferme et que, d'après nous, elles ont meilleur goût, voilà. Fort de son savoir-faire, Yves aime transmettre ses techniques. Anne Jean-Jean fait partie de ces agriculteurs qui cherchent à se diversifier Bonjour. Tout en respectant les méthodes appropriées. Comment on va? Ça va très bien, et vous? Ça va? Très bien. Vous venez pour...
Mais je viens pour faire le point, parce que j'ai planté les boutures que vous m'avez données au mois de mars. Oui. Et puis là, il y en a pas mal, elles ont quasiment toutes repris. Donc ça, je suis contente, c'est bien. Je pense que le printemps a été favorable, la météo a été favorable cette année. Pour l'arrosage, déjà, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut que je fasse? Que je les arrose tous les... Pour les boutures. Oui, pour les boutures, vous arrosez un peu, une fois par semaine, et juste un peu, pas trop. Un demi-litre d'eau, quoi. Un demi-litre d'eau pour tenir un peu la fraîcheur à la racine. Depuis 6 ans, je produis du safran sur un terrain sur la commune de Cuges. Le but, c'est de se développer sur d'autres productions, d'autres produits, d'autres cultures. Donc la capre, comme je sais que c'est une culture qui s'est faite depuis la nuit des temps sur la commune, je savais que ça serait une culture qui marcherait parce qu'elle est adaptée au terroir et au climat, à la région, et qu'on avait un produit de très grande qualité puisque la capre était exportée dans toute l'Europe et que Cuges était le premier producteur de capre national. Je ne vais peut-être pas arriver à récolter cette année, mais peut-être que petit bocal au mieux. Bon. Voyez, vous allez cueillir ça, là, moi je trouve que c'est pas rentable. Ça, là. Trop petit. C'est trop petit. Leur rencontre s'est faite par le biais de la chambre d'agriculture locale. Monsieur Cormier avait vraiment le souhait de transmettre son savoir-faire et ses connaissances sur la capre, puisque c'est un des, à ma connaissance, un des derniers qui fait de la capre de façon un peu importante en quantité sur la commune et qui s'y est intéressé depuis des années. Voilà. Ça, c'est les capres que vous avez ramassés hier. Ce matin. Ces capres-là, on les garde, disons, je les mets dans la maison au frais, à l'ombre, et il faut qu'ils flétrissent, qu'ils perdent l'eau. Combien? 24 heures? 24 heures, même 48 heures, on peut les laisser. Dans l'eau, c'est la base de tout. Pour Luc, la qualité du lait et donc des fromages passe aussi par le respect d'une technique des plus naturelles, le pastoralisme. Le pastoralisme, c'est le fait de faire manger ses bêtes en colline et de prendre donc cette ressource pastorale, cette ressource fourragère, comme on peut dire, gratuite, naturelle, qu'est la colline. Donc dans la colline, elle va manger diverses essences végétales et ce qui va faire le goût du lait. Hein. Une chèvre, ça aime herboriser, c'est comme nous. Elles n'ont pas envie de toujours manger la même chose. Donc elles vont passer d'une essence végétale à une autre. Mon rôle, c'est de les amener à des endroits tels que ça assure cette diversité alimentaire. 365 jours par an, le troupeau est alimenté de cette façon-là. Il y a l'aspect environnemental. Il faut savoir que nos terrains ont tendance à se refermer, que la surface boisée, malgré la pression foncière, est en augmentation, que plus personne n'a réellement les moyens d'entretenir la colline. Et heureusement qu'il y a des troupeaux comme le nôtre pour l'entretenir, parce que autrement, ce sont des milieux qui se referment totalement. Il y a l'aspect renforcement de la biodiversité, puisqu'elle va manger les espèces dominantes, permettre au soleil de pénétrer, et le soleil pénétrant, il y a une diversité végétale qui se produit. Et qui dit biodiversité végétale, dit rapidement biodiversité animale. Outre ses nombreux intérêts, le pastoralisme se montre très efficace pour la prévention d'incendies dans cette région hautement exposée. Un feu, ça part jamais d'un tronc, hein, ça part des broussailles, et après, ça se propage au tronc. Et la chèvre, mangeant toutes les broussailles jusqu'à 1,50 m de hauteur, fait une prévention naturelle, écologique et économique contre les feux de forêt. Donc là, on est sur un bel exemple, puisque c'est un des programmes dits DFCI, donc Défense de la forêt contre l'incendie, que j'ai en cours. Là, on m'a chargé d'entretenir la bande des broussaillers de part et d'autre de la piste. On est bien dans le développement durable et gratuite. Bon, après, ça prend énormément de temps, hein, puisqu'on pâture en ce moment, à cette période, plus de 7 heures par jour, en colline, et on est sur des moyennes sur l'année à 6 heures par jour. Quoi. Afin de préserver la qualité de leurs produits régionaux et d'en développer davantage l'exploitation, Luc, Yves et son fils Frédéric ont pour projet d'étendre les ZAP, zones agricoles protégées. La pérennisation des cultures est en leur mot d'ordre. Et bonjour tout le monde. Salut. Ça va? Bonsoir. Ça va et vous? Ouais. Et vous? Merci. Alors, comme vous le savez,
Une ZAP, zone agricole protégée, donc est en cours de création. Et l'enquête publique va démarrer le 19 juin. Donc voilà, on est réunis aussi ce jour pour donner l'avis de l'association sur, lors de l'enquête publique. Au vu de l'avancée de l'urbanisation sur les terres agricoles de la commune de Cuges, il a été imposé la création d'une ZAP. Une ZAP, c'est une zone d'agricole protégée et qui va permettre de sanctuariser ces terres dans la destination de faire de l'agriculture et, notamment, et surtout de l'agriculture de production. Parce que la dernière grosse production agricole sur Cuges, c'était de la monoculture intensive au niveau de la vigne, qui n'a pas survécu à la dernière crise vinicole des années 70. On a eu une double peine, on a eu une fin de génération, c'est-à-dire une génération qui n'a pas été remplacée, et on a eu également une chute des ventes du gros rouge, on va l'appeler comme ça, qui a fait que bon, ben, petit à petit, de 360 hectares, on est passé à aujourd'hui à une quarantaine d'hectares. Et on cherche à retrouver des anciennes cultures pour se diversifier au niveau des productions sur Cuges, à relancer des cultures historiques. Le safran, la capre et d'autres cultures. Ici, c'est la fameuse zone où on a essayé de se battre pour la réintégrer en zone agricole. Moi, je pense qu'on peut quand même essayer. La ZAP, le gros problème, c'est ce qu'on appelle le parcellaire cugeois, c'est-à-dire les parcelles sont de taille relativement modeste et très morcelées. Il faut arriver à avoir une maîtrise sur le foncier, c'est-à-dire on a des gens qui ne veulent pas se séparer du foncier parce qu'il y a la pression, on dirait ce qu'on appelle ici la rétention foncière, puisque un mètre carré de terre agricole, ça varie entre 2 et 5 euros, et un terrain de mètre carré à construire, ça vaut entre 150 et 200 euros. Tout le monde aura compris où est l'enjeu. Défendre à tout prix ces techniques de culture ancestrale contribue aussi à faire connaître plus largement les productions locales. Cet ambitieux projet montre surtout la détermination de Luc et Yves à pérenniser des savoir-faire et à laisser les plus que jamais à cette région riche en patrimoine divers et varié. Aujourd'hui, je vous propose une terrine de brousse du Rove aux artichauts, brunoise croquante, au capre. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 500 g de brousse du Rove, 250 g de crème, une demi-botte de ciboulette, une demi-botte de cerfeuil, une demi-botte d'estragon, une demi-botte de persil, 50 g d'échalote, 8 feuilles de gélatine, 2 artichauts mako, 30 g d'oignons, une carotte orange, une gousse d'ail, une brindille de thym, 150 g de vin blanc, un citron, 100 g de carottes jaunes, 50 g de céleri branche, 50 g de capre, 2 bottes de basilic, une gousse d'ail, 50 g d'huile d'olive. Préparez un moule à terrine et le chemisez avec du papier film. Ciselez les oignons et taillez la carotte orange en brunoise. Le taillage en brunoise est tout simplement un taillage en petits dés réguliers. Tournez les artichauts et les frottez au citron. Les faire revenir à l'huile d'olive avec les oignons, les carottes, la gousse d'ail écrasée et le thym, puis déglacer au vin blanc et faire réduire. Mouiller ensuite avec 250 g d'eau ou de bouillon de volaille et couvrir. Attention, la cuisson doit être rapide, quelques minutes, pas plus. Au terme de la cuisson, laissez refroidir les artichauts, réservez le jus à température ambiante, puis les tailler en dés d'environ 3 mm. Ciselez la ciboulette, le cerfeuil, l'estragon et le persil, ainsi que les échalotes. Les mélanger à la brousse du Rove dans un cul de poule. Ajoutez ensuite les artichauts coupés en dés, salés et poivrés. Battre la crème au fouet. Passez le jus de cuisson des artichauts au chinois. Faire ramollir les feuilles de gélatine dans de l'eau froide, puis dans le jus de cuisson des artichauts. Versez le jus dans le mélange de brousse, puis incorporez immédiatement et délicatement la crème fouettée. Moulez dans le moule à terrine, et refermez le film. Réservez au frais. Coupez les carottes jaunes et le céleri en fines brunoises. Ajoutez les capres et réservez. Si vous utilisez des capres au sel, tout simplement rincez-les légèrement à l'eau froide. Faire bouillir de l'eau salée, puis cuire 4 minutes le basilic équeuté. Réservez l'eau de cuisson à froid. Blanchir l'ail 3 fois, puis la réserver. Cela va rendre l'ail plus digeste et surtout, on va voir le côté rond de l'ail.
sans avoir l'agressivité. On aura vraiment le côté fruité. Dans un robot, mixez le basilic avec l'eau de cuisson et l'ail blanchi. Montez doucement à l'huile d'olive, puis réservez au frais. Coupez la terrine en tranches et répartir la brunoise tout autour. Ajoutez quelques gouttes de pistou et servir accompagné de toast grillé. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très bientôt.